Alors bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de faire le calcul ou bien de faire la correction de quelques exercices concernant le calcul de fort en champ dans une poutre. Et on va faire voir cet exercice, ce premier exercice, qui s'intéresse à une poutre isostatique de portée L, donc de 7,5 mètres, et une section rectangulaire de cette poutre, B0 fois H, B0, alors si je me rappelle des données, 40 et 80 cm. Donc, 40 cm et H 80 cm. On donne le béton fessuration. Je vais choisir, ou bien bon, le calcul se fait en supposant que les fessurations sont peu proches des sciables. Alors qu'est-ce que ça veut dire fessuration peu proche du sciable? C'est-à-dire cette poutre, soit elle n'est pas à l'extérieur, donc elle est à l'intérieur d'un bâtiment, et elle n'est pas soumise à des effets de condensation. Donc elle est loin de l'eau, loin de toute présence d'humidité. Donc on suppose que les fessurations sont peu proches du sciable. Quand est-ce qu'on prend une fessuration qui est proche du sciable ou bien très proche du sciable? Proche du sciable, c'est lorsque elle est soit à l'intérieur avec risque de condensation, donc présence de l'eau, ou elle est directement exposée aux milieux extérieurs et à la pluie, etc. Et fissuration très proche du sable si notre élément il est en contact direct avec un élément ou bien des éléments corrosifs qui mettent en danger l'acier. L'enrobage des armatures longitudinales, c'est de 3 cm. On va dire que cette poutre elle est assez haute, donc 80 cm, donc on va la couler en deux fois. Peut-être une première fois juste la retomber, et ensuite on va continuer le coulage de l'autre moitié de la poutre. Et dans ce cas, on a une reprise de bétonnage. Alors qu'est-ce que ça implique directement, reprise de bétonnage? Ça implique que K égale à 1, direct. Excusez-moi, K égale 0. FC28, c'est 25 mégapascal. L'acier, on va utiliser un acier longitudinal de FE E400, donc haute adhérence. Et l'acier transversal, les armatures qu'on va utiliser dans la section transversale, c'est 215 ronds lisses. Les chargements, on a deux charges, charge permanente et charge variable. Charge permanente, c'est 2800 dkN par mètre linéaire, les charges variables 900 dkN par mètre linéaire. Les questions, déterminer les sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Choisir le ferrage longitudinal, on donne donc, pour faciliter ou bien parce que c'est le calcul des efforts tranchants. Donc on donne directement l'acier ici 15,42 cm², l'acier longitudinal. Donc à l'état limite ultime, parce que la fessuration elle est peu proche du sciable. Calculer le ferrage transversal, donc, trouver les espacements, nombre de répétitions, et faire le schéma de ferrage. Et faire le schéma de ferrage. Donc on commence la première question, qui est le calcul des sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Alors, pour ce faire, donc, premièrement, on va déterminer le chargement ultime et le chargement service. Donc, nous avons ici une poutre qui est chargée avec deux types de charges, G et Q. Les combinaisons sont les suivantes. Nous avons à l'ULU une charge PU, c'est 1,5G plus 1,5Q, et une charge service,
qui est égal à g plus q. Ici, c'est la plus simple à calculer, c'est 3700 dK par mètre linéaire. Et ici, le calcul, il va me donner 5000. Je fais le calcul. 35 fois 2800 plus 1,5 fois 900. 5130. Cette poutre, elle est isostatique. Donc, je peux déjà déterminer directement le calcul normalement. Le diagramme de moment fléchissant, notre moment fléchissant ici, il va être sous la forme de moins PUX au carré sur 2 plus PU sur L sur 2 fois X à l'état limite ultime. Et à l'état limite service, c'est P service. Et ça, c'est l'équation d'une parabole. Et cette parabole, elle va donner une valeur maximale à L sur 2. Et la valeur de du moment maximal, nous avons ici le moment ultime et un moment service. Le moment ultime, c'est PU fois L au carré sur 8 et le moment service, P service fois L au carré sur 8. Ici, c'est 5130 7,5 mètres au carré sur 8. Trente-six, 0,70. C'est un moment, force, distance, dK Newton, mètre. Et le moment service, sur 8. Alors, tout calcul fait, c'est 26 016. dK Newton. Ensuite, on va faire le calcul de l'effort tranchant. L'effort tranchant dans ce type de poutre qui est isostatique, il va être alors, la même chose. Je vais dessiner la poutre, les deux appuis, l'appui simple, rotule. Articulation. Alors, l'équation cette fois-ci. Alors, je vais prendre une autre couleur. Alors, qu'est-ce que. Orangé. Note. Effort tranchant V de X. Alors, c'est moins la dérivée du moment par rapport à X. Et ça va être ici
P. Alors, le calcul de l'effort en champ, on le fait seulement à l'état limite ultime. Donc, on va calculer ici VU et de X. Et le moment ultime, ça sera le moment ultime dans PU. Donc, ça sera P fois U. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2 sur 2, c'est x. Et moins PU fois N sur 2. Alors, c'est quoi ça? C'est une équation d'une droite. Et cette équation de droite, on peut la calculer pour V de 0. Lorsque V égale 0, c'est moins PU fois L sur 2. Alors, je vais prendre l'axe positif, par exemple, vers le bas. Donc, ici, la première valeur, c'est VU moins PU fois L sur 2. Et la valeur, lorsque X égale à L, c'est PL sur 2, positif. Positif parce que l'axe est déjà dirigé vers le bas. Alors déjà, ce n'est pas un problème de signe en effort tranchant. On travaille toujours avec la valeur, la valeur absolue. Et on a une droite. Et bien sûr, cette droite, bon, c'est pas mal dessiné. Cette fonction, elle s'annule toujours lorsque x égale à L sur 2. Donc si x égale à L sur 2, c'est PL sur 2 moins PL sur 2, c'est 0. Donc voilà notre sollicitation, nos sollicitations dans cette poutre. Et pour la valeur de VU, c'est moins 5130 fois 7,5. Sur 2. À l'arrière. Dix-neuf mille deux cent trente-sept. Un effort, donc, des canutons. Juste une vérification. N'essayez de faire une vérification lorsque vous faites un calcul. Donc, tout ça. Mille cent trente fois 7,5 sur 2. Voilà. Alors pourquoi j'enlève tout ce qui est chiffre après la virgule? Parce que l'unité ici, c'est le décanewton, elle est assez petite, n'est pas très grande le décanewton, donc je peux ignorer les chiffres après la virgule, après les virgules. Voilà. Ça, c'est la première question. Donc, elle est déterminée, je pense, les sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Deuxième question, c'est de choisir le ferraillage longitudinal. On donne AU 15,42 cm. Alors, c'est déjà, on a donné. Donné la valeur de l'acier, mais je vais vous montrer comment déterminer cette valeur. Donc, normalement, ici, en fonction du moment qu'on a trouvé, en fonction de ce moment et celui-là, et en fonction du type de fessuration, on détermine l'acier longitudinal. Et comment on fait ça? Vous avez des organigrammes qu'on a vus dans le semestre précédent qui déterminent l'acier longitudinal dans une poutre rectangulaire. Sinon, alors, ça c'est pour vous lorsque vous allez travailler, que ce soit
dans un projet ou bien dans votre vie professionnelle, il y a des applications qui peuvent être utilisées pour le calcul des acides longitudinaux. Et je vais noter ici qui est une application très simple pour le calcul des aciers avec la réglementation BAEL. Alors, c'est quoi cette application? Elle s'appelle BAEL. Alors, j'ai mis les liens dans le dossier CAO béton et dans laquelle je vais calculer une section, par exemple ici, section fléchie rectangulaire aux états limites ultimes. Et je vais reprendre cette même section pour le calcul à l'état limite service. Donc, je vais prendre premier choix. Ici, c'est notre poutre. Je vais mettre que la section c'est 40. Vous allez voir que c'est très rapide ce calcul. Donc 40, 80. Donc lorsque je vais mettre ici 80, je ne peux pas. Donc je mets D et ensuite il va calculer automatiquement H. En supposant que H c'est 0,9 fois D. Donc si c'est 80. Si j'y mets 72, automatiquement, il va mettre ici 80. Donc, je me déplace. Voilà, il a mis 80. D prime, disons, c'est 4. C'est pour l'acier comprimé. FC 28, 25. FE, on va travailler avec 400 mégapascal. Et notre moment ultime. Un autre moment ultime, c'est36 070 décanewton. Et s'il demande des kilonewtons, donc pour passer de décanewton au kilonewton, c'est 10 moins 2. Donc ça va être 360 70. Et hop, il va me donner l'acier. Donc je clique sur n'importe quelle case après, il va me donner 15,42 cm². C'est pour cela que j'ai donné ici la valeur de l'acier, 15,42 à l'état limite ultime. Bien sûr, c'est l'état limite ultime qui va être le plus grand parce que la fissuration elle est plus proche du cercle. On peut vérifier ceci. Je prends ici calcul à l'état limite service. C'est toujours la même poutre. 42, 40, 72, 4, FC 28, 25, 400. Fissuration un peu proche du cercle. Et pour le moment à l'état limite service, cette fois-ci, je vais prendre 260,16. Et lorsque je vais faire le calcul, chatini alpha face à sabrachari. Donc l'acier ultime, le cas 15,12. L'acier service, le cas 10,27. Bien sûr, tout bête de la caille, il y a une bête de la fissuration. Il faut une autre fissuration préjudiciable, l'acier ultime, le cas 15, mais l'acier service, le cas 21. Donc, le chier 0, l'acier service. Alors, on a une fissuration peu préjudiciable, donc je n'ai pas fait 15, 15,42 cm². Comment cette fois-ci je vais utiliser ces armatures? Alors, on a 15,42. 15,42, alors c'est à peu près 16. Donc, NARF, le home est 16. Ou kif kif. Donc, je vais ajouter ici une autre page. Voilà. Et je sais que, alors, si on peut avoir un tableau, tant mieux. Imaginons que le tableau TAL, FERH.
إذا كان ما عندكش تابلو شنو نقول؟ نقول مثلا نعرف ديما الهاشا 16 1 هاشا 16. Alors si je vais le faire le calcul, c'est pi fois 1,6 au carré sur 4. Allez, je t'attends là normalement. Alors si je vais le calcul. Alors, pi fois 1,6. Au carré sur 4, 2, 0, 1 centimètre carré. Donc, il y a un bar de 16 fait 2 centimètres carrés. On est acheté à peu près 16. Donc, quand je acheté une barre H à 16, acheté 8 H à 16. 8 H à 16, ça va donner 2 fois 8, 16, 2 fois 0, 8. 0,8 cm² supérieur à la scie ultime tana la roue à 15,42. Donc j'ai besoin de 8 HSS. Alors comment je vais mettre ces 8 HSS? Je peux pas utiliser. Les 8 figures de bâton dans un seul lit. Donc, je vais utiliser des deux lits. Hein? Je vais utiliser deux lits. Ces deux lits, ils vont être posés la screen de bâton. Alors, c'est pas exactement différent, mais. Voilà notre ferraillage. Ça sera 8 HSS disposés sur deux lits. Un. Un H, 4 HSS. Voilà. Excusez-moi, je vais effacer ça. Voilà. On a ici 4 HSS. Pour mon nombre de kif-kif, 4 HSS. Ma base, on a 8 HSS. Donc notre acier réel, ça sera 16,08 cm². Donc c'est ça notre choix d'armature longitudinale. Donc là, c'était deuxièmement. Troisième question. Calculer le ferraillage transversal. Calculer le ferraillage transversal. Et ça, c'est le but de ce chapitre. C'est de comment calculer le ferraillage. On dit un ferraillage transversal, ou on peut dire les armatures, donc une armature. Donc on dit ça transversal, un ferraillage, on dit un ferraillage transversal et des armatures transversales. Pour ce faire, je reviens ici à notre présentation. Hop. Qu'est-ce qu'a dit la présentation? La première chose, c'est de déterminer l'effort tranchant. Deuxième chose, l'effort tranchant maximal. Plutôt, excusez-moi, pour le calcul de l'effort tranchant, on fait deux fois. Calcul de l'effort tranchant maximal, VU max. Ensuite, l'effort tranchant réduit, VU 0. Bien sûr, il faut voir les conditions avec lesquelles on peut déterminer VU0. On fait la vérification du béton. Qu'est-ce qu'on fait comme vérification? Si on peut utiliser des armatures d'âme
droite et non pas inclinée. On détermine la contrainte tangente conventionnelle tau u, ou bien tau u 0, avec laquelle on va faire la vérification avec tau limite. Ensuite, on détermine les armatures d'âme calculées, AT sur ST. Donc, calcul d'armature d'âme calculée, AT sur ST. On détermine le pourcentage minimal d'acier, le diamètre des armatures d'âme qu'on va choisir, leur forme, et si on choisit la forme, on va déterminer l'espacement maximal ST max. Et à la fin, la répartition des armatures d'âme. Donc vous voyez que on va suivre ces étapes une par une. Donc la première étape, c'est l'effort tension maximal qu'on a fait dans premièrement. Je répète que lorsqu'on a travaillé la première question, elle a été demandée de déterminer les sollicitations. Et parmi ces sollicitations, on a trouvé VU. Donc ce VU, c'est l'effort tranchant maximal dans la poutre. Alors, l'effort tranchant maximal. L'effort tranchant réduit, l'effort tranchant réduit, إذا كان نرجعوا للكور ولا نشوفوا حتى لي سيبور نتاعنا نلقاو ال في U 0 هو ليفور طونشون ريدوي اي سي ايغال ا ليفور طونشون ماكسيمال موان 5 سيزيام دو اتش فوا U 5 سيزيام دو اتش فوا U اي بوركوا ceci. C'est parce que lorsqu'on va avoir une poutre avec des charges uniformément réparties, théoriquement, toutes les charges sont sur cette poutre. Mais la pratique a démontré que une partie du chargement par exemple cette partie elle va s'enlever du chargement. Ou surcroît de chargement Ken. À la hauteur, on a un appui là. Et cet appui, il va reprendre toutes les charges qui se trouvent ici. Donc, il y a un chargement, la partie qui affecte directement notre appui, la poutre, elle devient chargée ainsi. Je dois aller le poutre en train de chargement pour maintenant qui mec. Donc, on a la poutre, bien sûr, les appuis en train de. Mais il faut qu'on charge à la tour de poutre, je dois les charges. Seulement et seulement موجود على une partie de la poutre. Et à quoi est égale cette distance? Donc, normalement, il y a tout un calcul qui se fait, mais cette distance, c'est 5 sixième de h. Cette distance là et cette distance à là c'est 5 sixième de h et h c'est la hauteur de la poutre. Donc si nous avons un chargement qui est sous cette forme match ou une poutre une ligne comme effort tranchant je dois lui faire blast une ligne je dois lui faire blast une ligne.
تمشي كونستانت شوية حتى كشلانة، وبعدها تمشي هكذا ترجع كونستانت. Et cette valeur-là, normalement, elle est 4 qui m'a hacké. Je t'en cause, toi, li, VU0. Alors, j'ai dessiné ça et j'ai donné le résultat direct. Mais on peut faire ça même avec un calcul de RDM. Donc, je m'en hâte avec un calcul de RDM. نخرج الفالور هذه اللي هي تطلع ابري سيلسي. alors j'ai fait le calcul avec un logiciel de calcul de structure et ce logiciel il a donné le résultat suivant. donc je vais juste vous montrer le résultat. Vous voyez ici, c'est la distance avec laquelle on va enlever une partie de chargement sur cet appui et sur celui-là. Et le logiciel, il a déterminé ce diagramme-là. Donc, il y a un effort tranchant. Et notre calcul manuel, il doit retrouver une valeur qui se rapproche de celle-ci. Alors, le calcul... C'est le suivant. VU max, on a trouvé. Codage VU max. Bon, j'ai 19 237. Moins 5 sixième 0,5 fois 5130 PU normalement 5130. Voilà. Ceci est égal. Alors le calcul avec un logiciel, il a donné bon, il y a une différence de 800 à décanewton. Bon, parce que c'est pas exactement cette valeur, mais on va utiliser 17099. Si je m'en... Non, non. H, c'est combien H? Ah, 80. 80 H. Voilà. H, c'est 80. Alors, dans ce cas, le calcul, ça va donner 0,80 fois 5130
Là, c'est les plus proches de valeur avec le logiciel. Donc 15 817 décanewtons. Bien sûr, ça c'est en mètres. 15 817, c'est la valeur de VU0. Et le logiciel, il a trouvé 16 262. Il y a 400 décanewtons de différence. C'est pas beaucoup. Le calcul VU0, il va me permettre maintenant de calculer la contrainte taux U0. Alors, comment calculer taux U0? Taux U0, c'est l'effort sur la section utile. La section utile, c'est B0 fois D. VU0, on l'a déjà déterminé. B0, c'est la largeur d'âme de la poutre qui est de 40 cm. Et D, c'est. On doit la calculer maintenant, D. Donc maintenant, on doit calculer. Hein, il faut calculer. D. Comment calculer D? V. Voilà. Nous avons quatre. Dans un lit et 4 sur l'autre lit. Et bien sûr, si nous avons le même ferraillage, donc nous avons dans ce cas l'axe ou bien le centre de gravité des armatures qui passe exactement entre les deux lits. Je vais faire un zoom ici. Donc, nous avons ici, bon, c'est mal dessiné, je vais essayer de représenter ceci convenablement. Ben, donc, nous avons le premier lit, au Fourkmenobzabt, deuxième lit, au Kullum Kibaza. Kullum, là, c'est Adel Kul, kif kif. Donc, il y a qu'un an à la série kif-kif. Le centre de gravité de l'acier, il passe entre les deux lits. Et de cette façon, on va déterminer D, qui est égal l'hauteur totale. Donc, elle est ici. H. نحيو لانغوباج قلنا 3 سنتي في البداية الاكزرسيس وعندنا لهنا الديستانس ما بين الاكستريميتي هذه والمواتي هي تو سامبلومون لا سي لونشتينا اللي خذيناه اللي هو باش يكون 1.6 سنتيمتر. دونك الديستانس هذه من البوان هذا حتى هذه الكل شكون ما بعضهم كل في الكل 4.6 سنتيمتر. دونك h موان 4.6 سنتيمتر. h هي 80 و 4.6 centimètres, ça va donner 75,4 centimètres. La vie est D. Alors, bien sûr, ici,
B0, c'est 40 cm. Donc, le calcul de taux U0, ça sera 15 817. Pour passer, parce que, alors, l'autre fois, qu'est-ce que je dois utiliser comme unité? Une contrainte, toujours en mégapascal. Pour retrouver le mégapascal ici, l'effort tranchant doit être en méga-newton. Et ici, 1 mètre carré, donc B0 en mètre et D en mètre. Donc ici, pour passer de déca-newton au méga-newton, c'est 10 moins 5. Divisé par B0, c'est 0,4, 40, fois 0,754. Et taux 0, ça sera aussi. Donc c'est 10 moins 5, c'est 0,158117. Divisé par 0,4 fois 0,754. Mégapascal. Mégapascal, c'est assez important. Donc au moins trois chiffres après la virgule. Voici le calcul de la contrainte tangente. Contrainte tangente conventionnelle. D'abord, la vérification. Comment on fait la vérification? La vérification du béton. Je chauffe, est-ce que le béton il peut résister à la compression des bielles? Pour cela, on a besoin de taux limite. Taux limite, on joue en fonction de l'angle alpha et type de fissuration. En premier lieu, on va commencer à vérifier avec un alpha égal 90. Je rappelle, c'est quoi alpha? L'alpha, c'est l'angle des armatures. Lorsque je vais dessiner une armature, bien je vais mettre une armature dans la poutre. J'ai deux possibilités. La première possibilité est la plus facile à réaliser, c'est de mettre des armatures dans ce sens. Donc l'angle ici, c'est alpha 90. Sinon, il y a une autre possibilité pour utiliser les armatures transversales, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les armatures avec un angle de 90, donc ça sera plus efficace, nous sommes perpendiculaire aux fissures. Fissures, puis qu'on qui m'a donc on les armatures sans salaire. Donc là, c'est un angle de 45 degrés. Donc là, on vérifie, est-ce que c'est possible d'utiliser 90 ou pas? Si c'est possible, c'est bon. Et dès qu'elle est possible, je vais mettre la section de là, ça donne 45. Donc, je trouve la fissuration, hyper préjudiciable, angle 90, taux limite. Alors, où est-ce que ça se trouve? Se trouve normalement voilà les armatures d'armes droite
Donc, il y a une facturation peu préjudiciable, donc armature d'arme droite mat à 90. C'est le minimum entre 0,2 FCJ sur gamma B et 5 mégapascal. Donc, 0,2 FC. C'est le minimum. Donc, c'est le minimum. 0,2 FC. Bon, nous sommes à 28 jours, donc je suppose que nous sommes à 28 jours, gamma B, et 5 mégapascal. Donc, il y a quand même une facturation peu préjudiciable. Facturation peu préjudiciable, voilà. Je calcule FC28 sur gamma B, donc il y a FC28 et 25 mégapascal ou gamma B 1,5. Il y a un canal habitant AD. Donc 25 sur 1,5 fois 0,2. Virgule 33 centimes mégapascal. Ou bien 5 mégapascal. Donc qu'est-ce qu'on choisit entre ces deux valeurs? Choisis celle-là. Et celle-ci n'est pas applicable. Celle-ci n'est pas applicable. Donc la limite, c'est 3,33 mégapascal. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre, cette valeur? On a bien trouvé que notre taux U0, alors qu'il a 0,724 inférieur à taux limite à l'alcrina 3,33 mégapascal. C'est quoi notre conclusion à cette comparaison? On peut utiliser des armatures d'un droite alpha, c'est 90 degrés. Alpha, c'est 90 degrés. À la suite, on commence le calcul des armatures d'un. Les armatures d'armes calculées, elles sont déterminées par l'équation suivante. AT B0 ST fois ET sur gamma S supérieur ou égal. Vérifie l'équation. Voilà, supérieur ou égal. Taux U moins 0,3 fois K fois FTJ sur 0,9 fois sinus alpha plus cosinus alpha. Bon, formule choisir, mais c'est très simple de calculer. Ah, là, on va déterminer un rapport d'acier. Rapport d'acier, AT sur ST. Je chauffe, je ne calcule directement là.
Andy. FET. B0, ça. Alors, juste une remarque. AT sur ST. On va déterminer ça avec l'unité suivante. Centimètre carré par centimètre. Donc, c'est un rapport d'acier. Et lorsque j'aurai des dimensions, je vais les laisser en centimètres. Donc, par exemple, ici, le B0, ça va être en centimètres. FET en mégapascal. Heavy kif kif mégapascal. Donc, battez les mégapascal, je mégapascal, je la roha. La FTG, c'est une courbe de kif kif en mégapascal. Le K, c'est un coefficient. Et ici, c'est en degrés. Donc, il y a quand alpha égale 90. Déjà, à le haja, il donc, il ça va être simplifié à 1. Donc, c'est alors, on a fait les conditions en tel exercice. Elle a une fissuration peu proche du siable. Mais, à la reprise de bétonnage. Donc, il y a une reprise de bétonnage. K, je dois les 0. En cas d'alcool, je n'ai pas. Donc, je tape la formule. Allez, je tape la formule. Anna, AT sur ST. Oh, je n'ai pas. Supérieur ou égal. Donc, il y a B0. Là, fois tau U. Fois gamma S. Sur. F, E, T. Ben, tu vois les valeurs. B0, 40 cm. Taux U, donc je ne peux pas taux U, le calcul avec les 0,524. Donc, il y a un mégapascal, FET en mégapascal, je crois des centimètres. Donc, voilà, je n'ai pas centimètre carré à la centimètre, il y a centimètres, donc c'est la bonne unité. Gamma R, c'est le coefficient de sécurité de l'acier, 1,15. Et notre acier transversal, il va être du rond lisse. Il y a un rond lisse, je vais vous montrer qui m'a ajouté dans la donnée, 215. Alors, on va faire le calcul, l'application numérique. Donc, c'est 40 fois 0,524 fois 1,15 divisé par 215. Donc, ça va donner ici 0,11. 2 cm ou bien cm carré par cm. On peut écrire cette valeur, INFSA, c'est la même chose, on peut l'écrire. Ça sera plus significatif de voir cette écriture qui est AT sur ST supérieur ou égal. Donc c'est 1 sur 0. 8,92. Alors, c'est quoi cette écriture? 1 cm carré et câble 8,92 cm ST. Dès qu'on a une section d'armature transversale de valeur 1 cm, ST, je coule 8,92 cm l'espacement. Ou fin tekber, l'AT, qu'ad ma tankos l'ST. Non, plutôt, ou fin tekber l'AT, oui, c'est l'ST qui va augmenter. Donc, il y a 2 cm, la section 2 cm. Voilà. Donc, si nous avons 1 cm carré, l'espacement, ça sera 8,92 cm. Mais si l'espacement est de 2 cm, ça sera la moitié ici, donc ça sera 4
Non, non. Si nous avons 1 cm carré, c'est 8,92 cm d'espacement. Si nous avons 2 cm carré, l'espacement sera de le double. Donc ça sera 17 cm. Donc si AT augmente, ST augmente. Si AT diminue, ST diminue. Voilà. Bon. Après le calcul, donc ça c'est le. Le pourcentage d'acier calculé, pourcentage d'acier calculé, on va déterminer le pourcentage minimal. Le pourcentage minimal, ça sera. Le pourcentage minimal, c'est en fonction de cette formule. Pourcentage minimal. ATB0 STFET 0,4 MPa. Pourcentage minimal. ATB0 STFET. Kif. Je te prends au résultat AT sur ST. Donc, les limites connues sont supérieures ou égales à quoi? B0. B0 fois 0,4 sur FET. Allez, il y a 1 cm 40. Fait 0,4 sur 215. Donc, ils ont qu'on a AT sur ST supérieur zéro 774. On a un 0,112 et minimal il y a 0,074. Donc acier calculé, voilà, pourcentage calculé est supérieur au pourcentage minimal. Le calculer le à 0,112 cm carré par centimètre, ou le pourcentage minimal 0,074. Donc là, ok. Voilà. Diamètre des armatures d'armes. Le diamètre des armatures d'armes. Fité est inférieur ou égal à ces valeurs. Diamètre. Des armatures. D'A. Fité inférieur ou égal au minimum. B0 sur 10. Fiel en 1,6 cm. Voilà en millimètre 16 mm. Hein? H sur 35 qui est 80 sur 35. C'est à peu près 2, 28 ou B0 sur 4 sur 10, on a 40 sur 10, 4 cm.
Donc, là, l'assise, mais con supérieur à inférieur à 1,6 mm. Ou on a un chenermobile hadid rond lisse. Donc, il y a un chenermobile hadid rond lisse. Donc, rond lisse, on a phi 6, là 0,6 cm. Donc, inférieur à la molécule. Donc, on va choisir rond lisse phi 6. Diamètre des armatures d'un. Bada, l'espacement maximal. Qu'ben nous sur l'espacement maximal, ils aiment choisir autant bas de diamètre la forme. La forme, ahna qu'on ça sera deux lits, ou que lit fait quatre fils. Donc, quatre mouvements. Alors, je vais essayer de. Je vais copier ça. Voilà. Donc ici. Le choix que je vais faire, c'est tout d'abord comment je vais disposer les armatures transversales. Nous avons, on a dit, quatre fils verticaux. Et ces fils verticaux, elles sont. Nous avons un cadre. L'acier de montage, kif kif, il y a 4 fils verticaux, il me faut 4 acier de montage. Vous voyez, à 50 cm, l'auteur de la poutre, donc des armatures de peau. À la main, je fais le calcul. Là, on a kif kif, épingle, une épingle, même tu sais, je fais les armatures transversales, je fais les deux armatures de peau. Notre schéma de ferraillage, donc un. Un cadre. Voilà, cadre général qui marque. Où les armatures au milieu, un des deux choix. نحط كل واحد فيه اتريي ولا نجم نعمل ان دوزيام كادر باش يربطهم دونك نخدم مثلا حاجة سامبل دونك كادر كبير وكادر اخر جوست باش يربط لي زارماتور اون ميليو هاك فوالا دونك عندي لهنا دو كادر سيت ان شوا أو أكثر حاجة نختار الشوا هذايا بور لا فاسيليتي ديكزيكسيون وبعد إذا كان الكالكول يقول لي هما لي كادر يكونوا قراب برشا لبعضهم وقتها زين نبدل في لي كادر ونختار مثلا أن أوتغ تيب دونك في عوض نعمل دو كادر برك نولي نعمل أن كادر أن إتخيي أن أوتغ إتخيي وقتها يولي إسباسمون أكبر يزيد يرتاح شوية دونك لهنا كاسكو سافا مي دوني سيت Cette configuration, elle va me permettre de déterminer AT. Comment on détermine AT? Je regarde qu'est-ce que j'ai ici, combien j'ai d'armatures transversales. J'ai 4 armatures transversales dans une section. Donc, je dessine une ligne et je compte le nombre des armatures transversales. Donc, dans ce cas, ça sera 4 fois le diamètre, fois la section d'un seul acier phi 6. Un acier phi 6, il est de
pi 0,6 au carré sur 4. Ça, c'est AT. L'acier est transversal, c'est ça, cette section. Donc, ça va me donner pi fois 0,6 au carré, 1,13 centimètres carrés. Dans notre exercice, l'acier transversal, c'est 1,13 centimètres carrés, la section de l'acier transversal. Ça va me donner ici ST. Comment ça va me donner ST? On a dit que ST, AT sur ST, est égal à 1 sur 8,92. AT sur ST, 1,8,92. AT, c'est égal à 1,13 cm². ST, ça sera 1,13 fois 8,92. C'est 10,08 centimètres. 8, 10,08 cm. Dit le calcul? Il doit vérifier l'espacement maximal. Ce 10,08, est-ce qu'il est inférieur ou pas à l'acier, à l'espacement maximal, qu'il ne faut pas dépasser? On a une formule qui nous donne l'espacement maximal. L'espacement maximal ici, c'est le min 0,9D, 40 cm, 15 fl. Zéro neuf fois D, 40 cm et 15 phi prime L. Ici, déjà, je peux enlever cette valeur. Pourquoi j'enlève cette valeur? Pas d'acier comprimé. Maintenant, chassé comprimé, A prime égale 0. Maintenant, chassé comprimé, phi prime. 0,9 fois D. Zéro neuf fois 10, c'est 0,9 fois 0,7 50 à voilà 7, 5, 4. Vérifier 40 cm. Donc, en centimètres, c'est 75,4 fois 0,9. Tartini, bon, 67. 26. Donc l'espacement maximal ne doit pas dépasser, donc l'IAC minimal, la valeur minimale est 40 cm. Est-ce que notre espacement inférieur à l'espacement maximal, oui, ST inférieur à ST max. Vérifier. Donc on peut travailler avec cette valeur, qui est la valeur de ST0
qu'on va utiliser pour le calcul. Donc, c'était 0. Justement. On commence le calcul des armatures, voilà, la répartition des armatures d'âme. Le calcul des armatures d'âme, voilà, une autre page. Et calcul de la répartition des armatures d'âme. Donc, on calcule tout d'abord ST0, la première étape, c'est ST0. Comment on l'a calculé? On l'a fait déjà, c'est juste en remplaçant VU par VU0, Al-Shatini, TOU0, Al-Shatini, ST0, une formule, là, quelqu'un a de l'acier, ou la formule générale, on a trouvé ST0, et il y a 10, alors quelque chose, mais on va enlever ces quelque chose parce qu'on va travailler avec des entiers. Donc 10, 0,8 centimètres. Donc on prend 10 centimètres. ST0, c'est 10 centimètres. Ensuite, deuxième étape. Donc, moi, j'en ai les étapes comme ta méthode calco. On a trouvé ST0. On va déterminer ST1. On va déterminer ST1. ST1, je n'ai pas de série. Et bien sûr, je suis inférieur ou égal à ST0. Donc, je n'ai pas de valeur à la Aqal, la série. Donc, je suis 10. Donc ici, ST1 inférieur ou égal à ST0, dans la série, ou bien dans la suite de Kako, ST1, c'est 10 cm. ST1, c'est 10 cm. Étape à la barre. On va déterminer le nombre de répétitions. N1 et N2, N3, N4, etc. On commence par N1. Donc, nombre de répétitions. On va commencer par N1. N1, c'est L'0 plus 5 sixième H sur ST0. L'0 plus 5H sur 6 ST0. Voilà. Donc, H dit, machine calcul, L'0. L'0, il y a. L0 moins 5 de H. Moins 0,3 K FTJ sur 0. Bien sûr, il y a quoi. Alors, ici, K, Kron, Bekri égale à 0. Donc, Hadalkol, Chiwali égale à 0. Khatar K égale à 0. Donc, Chiwali L'0. Chiwali L0. L0, c'est une poutre qui est isostatique, chargée uniformément. Donc, L0, Chiwali L sur 2, moins 5H sur 6. Toujours les unités en mètres. Donc, il y a 7,5, je pense, il y a L sur 2. 7,5.
moins 5 fois 0,8 sur 6. Anne, 7,5375 moins 5 fois l'auteur 0,8 mètres sur 6. C'est oui, 3,08. L'espacement loul, j'ai taoud 3 fois. On chauffe là, la roue 3 fois. Bad. L prime 0. On calcule. C'est bon. Maintenant, on prend N1. Le formulaire. Alors, non, non. N1. C'est le formulaire. Quelques nages. N1. Et L prime 0. Plus 5 fois 0,8 sur 6 fois ST0, la hiérarchie. Bien sûr, en mètres, toile 0,1. Donc, là, je vais mettre en centimètres, il y a un rapport ici. Donc, il y a une série. Donc 3,08 plus 5 fois 0,8 divisé 6 fois 0,1 et 0,6. Bon, 0,1, ça correct, 9,75. Ensuite, M2 est égal à M3. C'est une chauffe à chaîne de répétition. MI et 3,08. Donc voilà les deux répétitions avec lesquelles on va travailler. Donc, Anne 9,75, Anne 3,08. Ou Aouel, espacement ST1, ou 10 cm. B. Je trouve le mieux. Tableau-là. Donc on va utiliser ce tableau-là pour mettre le résultat. Comme tout à l'heure j'ai fait le calcul ou bien la détermination graphique des différents abscisses et des nombres de répétitions, je peux aussi utiliser